Non, j'étais jamais venu au Brésil, c'est ma première fois au Brésil, donc j'étais pas habitué à l'humidité. Mais c'est vrai que c'est deux matchs très difficiles contre deux Brésiliens d'ici. J'ai perdu deux fois le premier set, je me suis battu pour gagner le deuxième set, et deux fois je crois que c'est eux qui ont un peu craqué dans le troisième, moi je suis resté solide. Donc je suis vraiment heureux là, d'être en demi-finale. Vous connaissez Luz ou Velotti? Je connais Velotti parce que c'est plus vers mon âge. Luz, j'en ai entendu beaucoup parler. Je l'ai juste vu au premier tour ici. Je crois que c'est un grand espoir du tennis mondial et surtout au Brésil. Je crois qu'il est, il est bien apprécié. Donc ça va pas être facile. Peut-être un troisième Brésilien de suite. Je sais pas. Pour le public, pour moi, c'est peut-être mieux Velotti que Luz. Mais bon, vous voulez tous Luz. Donc. Et qu'est-ce que vous pensez de... Le Brésil, vous pensez de pays? Ah, c'est très 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 bien là, c'est ma première fois, j'arrive à Santos, c'est les grandes plages comme on voit à la télé, partout, le beau sable sur la plage, donc c'est vraiment magnifique ici à Santos. La ville est très sympa, l'hôtel est bien, le central est très beau, donc je suis vraiment heureux d'être ici. Tu as déjà parlé avec Michon sur le Brésil? Ouais, Michon est venu beaucoup, donc je sais qu'il m'a dit que c'était vraiment chouette ici. Donc moi, j'avais envie de tenter l'expérience et ça réussit bien pour l'instant. Je suis en demi-finale de mon premier tournoi au Brésil, donc j'espère continuer ici. Merci.